La mer, elle est juste là. Let's go see the fishies. Baby, I found your brothers. Your spirit animal. Je suis à ça de juste mourir. Ça, c'est le musée des sciences. This is Long Island. This is Porn Star Martini, kind of. Daiquiri strawberry and passion fruit. Voilà la paella. Yeah, it's nice now. Alors, je vais aller voir le lever de soleil. I'm happy. A big mistake was me. The view one. Vacuum. Vous connaissez peut-être pas, même si vous avez déjà été à Valence, c'est mon endroit préféré à Valence. Le problème, c'est qu'on n'a pas de parasol, on n'a pas non plus de serviette. Bien arrivé à destination. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce que je suis officiellement en vacances. Et du coup là on est parti pour une semaine. Je vais vous faire un vlog de 2 jours parce qu'on est seulement pendant 2 jours à Valence en Espagne. Donc ça va être trop cool. Après on va aller chez mes grands-parents à Gandia. J'avais déjà fait un vlog là-bas donc je vais pas en refaire. Mais du coup pendant ces 2 jours à Valence, je vais tout vlogger et je vais vous emmener avec moi comme d'habitude. Et la première chose que je vais vous montrer, c'est notre chambre d'hôtel. Alors ça va être rapide parce que c'est pas très grand, mais c'est très mignon. Voilà la chambre. Bon, c'est un peu le bordel parce qu'on a mis toutes nos affaires. On a des rangements par ici, des rangements par là. Ici, on a la salle de bain. Voilà, avec la douche, les toilettes. Bref, une salle de bain, quoi. Et la petite vue. Bon, on n'a pas vu sur la mer, malheureusement, mais c'est pas trop mal quand même. Et voilà, la mer, elle est juste là. Derrière ce bâtiment, il y a la plage. Donc, trop cool. Du coup, l'hôtel, il s'appelle Banana Beach Patacona. Et il est vraiment juste à côté de la plage, du coup. Mais je sais pas si vous connaissez Valence, mais si on est près de la plage, c'est qu'on est assez loin du centre. Mais c'est cool d'avoir la plage juste à côté. On a préféré être près d'ici et avoir un hôtel plus sympa. Et du coup, pour 2 nuits, on a payé 184 €. Donc, à 2. Et en plus, coïncidence, juste derrière, il y a mon endroit de brunch préféré à Valence. Donc, c'est trop cool. Direction le petit déjeuner. Pas mal pour un petit déj inclus quand même. I don't know how to eat this. This feels like holiday, baby. Bon là on attend un taxi. Ça fait 10 minutes qu'on cherche et que... Ah y'en a un, there's a taxi. Yeah. Hola. Appareil al oceanografico. Let's go see the fishies. Woohoo. Ça coûte quand même 32 €, mais pour le coup, enfin, j'avais déjà été et il est immense, enfin, c'est trop stylé. Hola. Perfecto, adelante. Gracias. Hola. Je crois que mon copain il est au paradis. Je passe 15 minutes devant chaque aquarium en train de prendre des photos et de sourire bêtement. On est dans la crèche des oiseaux. Oh, this one is pulling the rock up. Nemo et Dory. Baby, I found your brothers.
They look like you. I can't see no difference. Share those three males and that one. I don't know, but the one in the back is very, very big. They look like a lion, maybe that's one. Yeah, it really looks like a lion. I want to join them. Oh, they're cuddling. Their mustache is very funny. It's you, baby. Your spirit animal. It's here, it's here. On est les premiers. Se pueden encontrar en cualquier parte de los océanos peces pequeños. Pueden llegar a grietas muy estrechas. Y tiburones. Llegar hasta ahí es una... We hope you enjoy. Very happy? Like a kid. How are you feeling seeing your family? It's nice family. They are mean like me. Well, imagine it's hot. I kill myself. No, I think it's cold. And you get stuck. Vamos. On va faire un jeu pour gagner. Il y a un enfant qui doit être sélectionné pour aller aider pour les dauphins. Bon, moi je suis trop vieille, mais j'ai quand même envie de jouer. La première pregunta est super facile. Ah, it's a dolphin, it's red. ¿Cuántos litros de agua tenemos en esta instalación de delfinario? 26 millions. 26, I said. La correcta es la... Bon, on vient de finir de visiter l'océanographique. Ça nous a pris 4-5 heures. Donc franchement, c'était trop trop bien. Il y avait des choses vraiment impressionnantes à voir. Après, c'est vrai qu'il y a certaines zones où t'es pas très à l'aise. Enfin, genre tu te dis, mais ils ont rien à foutre là. Genre les pingouins, enfin... Pareil, les dauphins, c'était super impressionnant. Mais bon, ils disent qu'ils les ont secourus. Mais sur internet, il y a marqué qu'ils les ont capturés. Enfin, on sait pas trop. Malgré tout, c'était très 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 sympa. J'y avais déjà été, mais j'avais pas fait tous les... J'avais pas tout vu. Là, on a vraiment tout vu de fond en comble, à part les crocodiles. Jamais trouvé. Donc voilà, là, on va visiter le reste de la Cité des Arts et des Sciences. Il est déjà presque 18h, je crois. Et après, on va enfin aller dans le centre pour visiter un petit peu le centre historique de Valence. Il fait une chaleur. Franchement, je pourrais crever. Là, vraiment, je suis à ça. Je suis à ça de juste
mourir. Ça, c'est le musée des sciences. On a failli prendre l'entrée pour les deux, sauf qu'on avait la flemme. Et heureusement, parce que là, du coup, il est hyper tard, on n'aurait pas du tout le temps de tout faire. Alone again. To me, you are the brightest star in the sky. I'm the white shark and you're the beluga. Là, il y a l'hémisphérique, il me semble que c'est un cinéma. Là-bas, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est un opéra. Je suis pas sûre. I've done it with my cousin, you just have to run. After I fall breaking, I don't know, something, what are you gonna do? Laugh and record. Do not fear. We've been here before, my dear. Là, on vient d'arriver dans le centre de Valence, donc on va juste se balader. Je pense qu'on va pas visiter beaucoup de choses parce qu'à mon avis, vu qu'il est déjà tard, tout doit être fermé. Mais c'est pas grave, je pense que c'est juste sympa à voir. On va surtout aller chercher à manger, prendre un petit snack parce qu'en vrai on crève la dalle. Et après, dans quelques heures, on ira prendre le dîner. It's clear that we've made it this far. Now look where we are. Ici, acheter des glaçons ça coûte 3 euros, mais acheter de la bière ça coûte 1 euro. Incroyable. Il est 13 euros. Patatas bravas. Pan con aioli. Spicy. What is this house? What's that? Bravas. You should know, I always eat the same tapas. Gracias. I think this is yours. Gracias. This is Long Island. This is the porn star martini, kind of. Daiquiri with strawberry and daiquiri with passion fruits. I'm gonna try the strawberry one. It's nice. Even the passion fruit martini is frozen. Never seen before. It's huge. Very good. Really tastes like passion fruit. Can I try the Long Island? It's a bit light, you know. But a Long Island. Oh my gosh. Keeping home. Mon magasin préféré. Alors, lequel j'achète pour ma copine? Pour Paola. Je lui en ai acheté un il y a un mois et demi, elle a déjà fini. Donc hop, c'est reparti. Can I try it? Yeah, when I finish it, I'll try it. Oh my god. Now, please, 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 please. How are you feeling? Here is nice. I can spend the whole night here. Une sangria pour monsieur. Une. Wouhou. Et en plus, dans son resto. Delicious. Préféré. Are you keeping Voilà la paella. Sauf que je crois que c'est une paella une personne. Trop bizarre. Normalement, quand t'es deux et que tu commandes une paella, bah t'as une paella plus grosse. On a attendu 45 minutes. J'espère qu'elle est bonne. It's good. Baila, baila. And don't stop the music, music. Up to them. 3, 2, 1. Look, look. Dance, dance. Yeah. Yeah, you are out. I like the smoke. Go to me. Yeah, it's nice now. I just like the smoke, to be honest. Hello les gars, me revoilà, c'est notre deuxième jour à Valence. Et là, il est 7h15, je vais aller voir le lever de soleil dans 10 minutes. Donc je suis un peu en retard parce que je vois qu'il y a déjà des couleurs dans le ciel et tout. Mais vas-y, j'étais un peu fatiguée. Il y en a un qui a pas suivi, qui était censé venir, mais qui est là genre... Je suis fatiguée. Du coup, bah j'y vais toute seule. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment juste derrière l'hôtel. Donc j'y suis dans une minute. Et je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça va être beau, qu'il n'y aura pas de nuages. Mais de ce que je vois, ça a déjà l'air pas mal du tout.
Regardez comme c'est beau. Malheureusement, il y a l'air d'avoir pas mal de nuages au loin, donc je pense qu'on verra pas grand chose. Mais c'est pas grave, c'est quand même très 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 beau. Franchement, malgré les nuages, c'était un très 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 beau lever de soleil. Et là, en vrai, qu'on est au mois de septembre et que le soleil se lève vers 7h30, je pense que je vais me lever, je vais essayer de me lever pas mal de fois pour voir le lever de soleil parce que c'est trop agréable. Il n'y a personne, donc c'est super cool. J'adore. Bon là il est midi, on vient juste de faire le check-out de l'hôtel. On a laissé nos affaires, on pensait de laisser toute la journée. Mais il ferme à 6h, donc faut qu'on revienne à 6h, ça change un peu nos plans. Mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Là on va aller bruncher dans mon endroit préféré qui s'appelle la Mas Bonita, qui est vraiment juste derrière l'hôtel. Donc on y est dans 30 secondes, trop 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 cool. Oh my god, ça va pas du tout, je suis horrible. Parce que dedans ou devant le resto, mais devant il fait trop chaud. Et dans le jardin, il est trop trop mignon, bah, il n'y a plus de place, donc on est à l'intérieur. Mais c'est pas grave, tant pis. So nice. It's nice, non? On a réussi à avoir une table dans le jardin. I'm happy. The house open, open house. Open house. Open house, but you have to pay. Not open food. Voilà le plat de Renan. En vrai, ça a l'air énervé. Et alors, moi. J'ai des pancakes Nutella, noix, banane, chantilly et un toast à l'avocat. Par contre, le toast il a l'air grave moins bon que ce qu'il faisait avant, mais vas-y, c'est pas grave. Je pense qu'on a assez à manger. Hein. C'est bon. It's massive. Regardez le sandwich, il a l'air incroyable. Very good. Ok, on passe au dessert. The mistake was made. A big mistake was made. La dernière fois j'avais mangé ça et je sais que c'était beaucoup, mais ça allait. Là ça me paraît impossible. En tout cas ça a l'air très très bon. Très 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 bon. Actually when I start eating it's gonna be easy because this is all I love. Because you are. Vacuum. So good. I'm gonna have a big food coma on the beach and maybe if I go in the sea I will never come back because I will drown. Ok, alors là on est dans un endroit que vous connaissez peut-être pas, même si vous avez déjà été à Valence. Ça s'appelle Porta Playa. Et en gros c'est un peu, je crois que c'est plus dans Valence, c'est à Alboraya juste à côté. Et c'est l'endroit, enfin c'est mon endroit préféré à Valence. Avec un port magnifique, je connais en fait parce que ma cousine habite là. Donc je suis venue plusieurs fois. Et c'est trop trop beau, on va vous montrer le port. Vraiment c'est un endroit trop cool, c'est mieux au coucher du soleil. Mais bon malheureusement, là on est là en plein milieu de journée. Mais c'est pas grave. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But baby, tell me, how have you not figured it out? Et ma cousine elle habite juste là, face à la mer. Mais elle est pas là. Est-ce à qui par alquiler 18 euros, dos hamacas et une sombrilla. Et quand? Bon, du coup, là, on va se poser tranquille à la plage. Le problème, c'est qu'on n'a pas de parasol. Bon, en soi, ça pourrait aller. Mais on va quand même passer toute la journée à la plage. Et le deuxième problème, c'est qu'on n'a pas non plus de serviettes. Du coup, on a loué des transats, même si je trouve que c'est abusé le prix. 18 euros pour deux transats et un parasol. Mais c'est pas grave. Du coup, regardez où on est. Nos petits transats et le parasol. On est bien là, je crois. Évidemment, il y en a un qui est en train de s'acheter une bière, comme d'habitude. Est-ce que c'est surprenant? Je ne crois pas. Can I have some? Beer? Ooh, dry your eyes. The world can always give you reasons to cry. Understand you're stronger than you know. There's power in your bones. The flowers that you've grown were watered by your tears. You say you're growing old. One day you're gonna fold. Amazing how you go unbothered through the years. But if you just let go. Warm. No, I think it's cold. Oh, that's okay. So you finally run, running far away from your head.
Bien arrivé à destination. Elle est pas belle cette destination? Elle est belle hein. Du coup c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Je pense pas que je ferai de vidéo ici, mais on sait jamais. En attendant je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao. My love language is your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately.